Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Ce dimanche 19 juin, c'est l'élégance à l'honneur, les chapeaux à l'honneur. Je parle bien évidemment du prix de Galles. Du prix de Diane, c'est pour ça qu'on a pris les deux plus beaux de la rédaction, excite les Alexis Grima avec sa casquette ou encore Léo Gann. Là, on a pris vraiment les deux plus beaux, Dylan et moi, pour faire le papier de ce Quintet Plus 2100 mètres. Le prix de Diane, une course très importante, une journée de gala à Chantilly. Puis on va s'affronter dans un duel. Un drôle de duel. Ma favorite du prix de Diane, c'est Nashua. C'est la mienne aussi, espèce de voleur. En même temps, c'est logique. Elle a fait grosse impression à Newbury. Elle a confirmé dans les Oaks d'Epsom. Elle s'annonce redoutable. L'entraînement de John Gosden, la monte de Lidl qui pourrait être la première femme jockey à remporter le prix de Diane. Je pense que cet événement-là n'a jamais été aussi proche d'arriver. Ça peut arriver ce dimanche. C'est une toute première chance. C'est la favorite des books, je crois. C'est la favorite des books et c'est notre favorite. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit ta favorite, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup aussi Agave. C'est l'entraînement d'André Fab. C'est Olivier Pellier qui se met en scène et la ligne dernièrement est fabuleuse. Agave termine deuxième de qui? D'Onesto. Onesto, qui a été un petit peu la note du Jockey Club. Sans un mauvais numéro dans les stalls de départ, Onesto aurait terminé beaucoup plus près. Alors, si Onesto avait terminé beaucoup plus près, on aurait donné une toute première chance à Agave. Pourquoi ne pas considérer Agave comme une très bonne chance? Pourquoi pas potentielle lauréate du prix de Diane? Tout simplement parce qu'elle s'est fait croiser la dernière fois par Onesto. Elle s'est fait croiser. Attends, elle s'est fait déposer. Et mais non, tu te trompes de Fabre. Pour moi, c'est. Attends, c'est place du carrousel. Place du carrousel, elle vient de terminer deuxième du prix Saint-Alary. Elle a toujours été première ou deuxième depuis le début de sa carrière. C'est une première chance. Et qu'est-ce qu'on fait de la Parisienne alors? Moi, j'aime beaucoup la Parisienne. Qui s'installe en selle sur la Parisienne? Gérald Mossé. Gérald Mossé, l'homme des grands rendez-vous. Gérald, il s'est mis en selle dans la poule d'essai des poulies sur Mangoustine qui n'avait pas une première chance et Mangoustine a gagné. Gérald Mossé sublime les chevaux, c'est un homme des grands rendez-vous. Il peut faire un truc avec la Parisienne qui avait réalisé une démonstration sur l'hippodrome de Saint-Cloud en s'imposant. Alors certes, c'est pas le même lot, je t'attends là, mais le style était au rendez-vous, ça peut être la belle surprise de cette épreuve. Comme tu l'as dit, elle n'a jamais couru groupe. Oui, elle franchit plusieurs grave, paliers. Non, moi grave. Je préfère Zélie. Zélie, elle a montré déjà beaucoup de qualité à 2 ans. Elle a notamment remporté le Marcel Boussac. Il tombait des cordes, c'est la canicule, c'est la sécheresse. Oui, enfin, la dernière fois, dans les 1000 dîners anglaises, elle s'est très bien comportée. Elle a terminé 3e. Je pense que le rallongement de la distance, c'est fait pour elle. Pour moi, elle va être sur le podium. J'en veux pas. Bon, arrête. Vous l'aurez compris, on est d'accord sur Nashua. Alors, un Lyonnais et un Stéphanois d'accord sur une même pouliche dans un groupe 1, ça paraît étonnant, mais bon. Je pense qu'on s'est pas trompé. Ah non, c'est clairement pas trompé. Ça va être c'est la favorite des bookmakers. Je pense que ça va être la favorite et elle va s'imposer. En revanche, tu t'es trompé sur les chevaux à qui on va associer Nashua. On va préférer Agave et la Parisienne parce que les deux tiennent. Mais les non. Deux tiennent. Moi, je vous conseille plutôt Place du Carrousel et Zélie, de coup sûr. Eh ben, résultat ce dimanche, en tout cas, du grand spectacle sur l'hippodrome de Chantilly, la journée de la femme, journée de gala, journée de l'élégance. Rendez-vous à Chantilly si vous pouvez y aller. Sinon, sur Equidia pour ce grand spectacle. We'll be right back.